Bonjour, je m'appelle Frédéric Dupré, je suis fleuriste en France. Pour ce design, je vais vous présenter bouquet de mariée. Donc je vais utiliser des matériaux très simples. En première étape, je vais découper le papier en lamelles et ensuite je vais venir le coller en superposition de manière à créer un nid d'abeilles. Je choisis une dimension sur mon papier. Et l'intérêt, c'est d'avoir l'effet texturé du papier. Cette étape nécessite des mesures précises. Et ensuite, nous allons coller. Une fois que j'attends bien que ma colle soit sèche, nous pouvons observer qu'après, quand j'écarte, j'ai mon nid d'abeille. Ensuite, je vais donc constituer la poignée du bouquet avec le bindouir. Vu que mes fils sont tous de la même hauteur, je viens prendre des paquets de fils. Il faut faire donc 4 ou 6 fils. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais faire donc une technique que l'on peut appeler la technique du Scooby-Doo. C'est-à-dire que je vais donc croiser mes fils de cette manière-là. Et là, donc, vous avez la technique avec les 6 fils. Ensuite, je fixe donc ma poignée sur ma structure en papier. Donc là, on peut observer que ma structure tient vraiment et apporte de la solidité à mon papier. Donc ensuite, pour le fleurissement, je vais travailler de magnifiques œillets. Le nom, c'est Solemillo. Pour cette variété, donc pour cette couleur, je vais utiliser la variété Casse. Et pour cette variété, j'utilise la variété Bono. Je vais donc ensuite couper très court mes œillets qui viendront ensuite être collés, les insérer. Je vais venir apporter une signature florale, toujours avec le bindouir, de manière à avoir toujours la même texture. Je viens ensuite apporter, une fois mon fleurissement terminé, je viens apporter quelques fils de fer rigides sous la structure de manière à apporter une solidité supplémentaire. Donc j'espère que ce bouquet vous a plu. J'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo de Flower Factor. À bientôt.